Je sais pas si vous voyez le changement, mais en tout cas, j'ai une nouvelle caméra. Je pense que ça se voit, logiquement. Je vais essayer de pas trop regarder en haut parce qu'il y a un retour écran et ça, j'avais pas avant. Et du coup, je suis trop contente. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo sur mes indispensables de la marque Ongle 24. Vous êtes nombreuses à apprécier ce site. Moi-même, j'aime trop ce site. Ongle 24, c'est vraiment... un site où tu peux trouver des pépites vraiment pas chères. Du coup dans cette vidéo je vais vous montrer tous les produits que moi j'adore, que moi je kiffe, qui sont vraiment mes indispensables, mes favoris de la marque Ongle 24. Et on va commencer sans plus tarder. Alors j'ai tout mis dans une boîte parce qu'il y a pas mal de choses. Et je vais commencer par des produits qui se trouvent dans chacune de mes commandes. Alors en premier c'est tout con mais des cotons, parce que les cotons ça part super vite. Et moi j'en fais toujours un grand stock, donc dès que je fais une commande sur Ongle 24, j'en prends au moins deux. J'essaierai de vous mettre tous les prix juste ici, mais en tout cas ils sont vraiment pas chers. C'est les moins chers que j'ai trouvé jusqu'à maintenant. Donc ça, à chaque commande, il y en a dans mon panier. Alors ça c'est pas dans la bouteille d'origine, mais du cleaner. Moi je transvase toujours mon cleaner dans une petite bouteille comme ceci, où il y a un petit flacon... où on peut presser avec le coton parce que c'est plus facile. Mais du cleaner, ça clairement, il y en a dans chacune de mes commandes parce que pareil, c'est un indispensable. Et sur Ongle 24, il n'est pas cher du tout. Pareil, à chaque fois que je prends du cleaner, je prends d'office un désinfectant. Donc celui-ci, pareil, il n'est pas cher du tout. Et avec ça, je désinfecte ma table de manucure, mes chaises, mes lampes, mes nuanciers, les mains de mes clientes. Je fais tout, tout, tout avec ça. Donc pareil, à chaque commande, il y a une bouteille au moins dans mon panier. Toujours dans les indispensables, il y a les gants. Pareil, les gants, ils sont pas super chers sur... j'allais dire sur AliExpress, non. Pour continuer dans les indispensables, il y a la boîte de gants. Donc ici, pareil, vous avez 100 gants. Je pense que c'est pour 11 ou 12 euros. Un truc comme ça. Ils sont sans latex, donc ça, c'est bien pour les mains un petit peu sensibles. Et du coup, voilà. Je prends toujours mes gants sur Ongle 24. On va passer aux gels de construction. Alors, les gels de construction sur Ongle 24, je les ai quasi tous testés, je pense. Oui, presque tous. Et il y en a vraiment 4 qui ressortent du lot. Alors en premier il y a le Perfect Builder Extension, mais ça je n'ai plus le pot, j'en ai plus en stock malheureusement, mais je vous mets une photo juste ici. C'est un gel à viscosité moyenne et pour des extensions chablon il est parfait. Je sais qu'il y a plusieurs couleurs sur le site, elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. Et franchement pour du chablon il est top, il coule pas, enfin franchement il est hyper facile à travailler. Dans ce que je peux vous montrer, j'ai le Fiber Gel Milky Rose, donc celui-là je le surkiffe. Ça c'est un gel avec de la fibre de verre à l'intérieur, donc il est un petit peu... pas épais, mais je sais pas comment le décrire, mais vous allez sentir quand vous allez travailler, il est un peu différent des autres gels. Mais par contre, avec ce gel là, pas de cas. C'est un gel qui va vraiment solidifier votre ongle. Il est super facile à travailler, il est auto-égalisant, il est un petit peu coloré, donc sa couleur rose, enfin ça donne un trop beau rendu sur l'ongle. Et en plus, il est hyper 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 solide. De tout ce que je vais vous montrer de chez Ongle 24, c'est vraiment le plus solide. Et comme ça, vous savez, il existe, je pense, le même en transparent. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Et ensuite, mes deux chouchous aussi de chez Ongle 24, c'est le Milky White Intense et le Milky... Le Milky, il est assez transparent, il a une couleur un petit peu blanche laiteuse mais assez transparent. Et le Milky White Intense, lui, il est Milky White Intense. Donc il est Milky mais un petit peu plus blanc et assez intense quand même par rapport au Milky. Ce sont déjà la viscosité moyenne, donc ça c'est cool si vous faites du chablon parce que vous avez vraiment le temps de faire votre ongle sans que ça coule partout. En parlant de chablon, j'utilise les verres, moi, de chez Ongle 24. Je sais qu'ils sont souvent en rupture de stock, mais franchement c'est mes préférés de chez eux. Je les trouve assez faciles à appliquer, ils collent bien, c'est facile de travailler dessus, donc franchement de chez Ongle 24, si vous avez l'occasion, testez-les. Je vais vous parler d'un de mes produits préférés du moment, ce sont les capsules américaines. Vous le savez si vous me suivez sur Instagram, mais maintenant je propose la prestation capsule américaine sur mes clientes. Et toutes mes capsules américaines, je les achète sur Ongle 24. Donc qu'est-ce que c'est des capsules américaines? Ce sont des capsules préformées en fait, mais en gel. Et vous avez différentes formes. Donc vous avez ballerine, stiletto, amande, enfin bref, vous avez plein de formes, plein de tailles différentes. Donc ici, j'ai la forme ballerine, mais il existe, comme je vous ai dit, plein d'autres formes. Et ce sont des capsules en gel. Donc ça c'est cool, c'est pas des capsules en plastique. Et vous inquiétez pas, je vous ferai bientôt une vidéo sur la pose américaine, c'est promis. Et du coup, moi, je les achète que sur Ongle 24, mes capsules américaines, parce que le rapport qualité-prix, il est ouf. J'ai jamais trouvé des capsules moins chères encore pour le moment. Et elles font très bien l'affaire sur toutes les clientes sur lesquelles j'ai travaillé avec ces capsules. J'ai eu aucun souci, donc... top. Un petit outil, mais c'est quand même important d'en avoir une si jamais vous faites des capsules américaines ou des capsules tout court, c'est une guillotine. Donc ici j'ai la argentée, mais je sais qu'il existe aussi la rose sur le site. Et ben ça sert tout simplement à réduire la taille de la capsule, donc voilà. Encore des petits trucs pas très chers mais assez importants quand même, les bâtonnets de bois pour enlever la couleur qui a coulé au niveau des cuticules ou n'importe. En plus, au plus vous en achetez sur le site, au moins il revient cher à l'unité, donc voilà, ça pareil, j'en prends assez souvent. Et les limes de chez Ongle 24,
4, elles sont hyper bien. Elles sont pas très chères non plus, je pense que c'est, ça dépend de la lime, mais ça doit être 60 centimes la lime environ. Et franchement elles sont bien, alors ici j'ai la forme banane classique. Mais vous avez plein de formes, vous avez aussi une toute rectangle que j'utilise aussi souvent, que j'aime bien. Vous en avez des plus fines, des plus épaisses, enfin bref, il y en a plein. Et pareil, au plus vous en achetez, au moins le prix de la lime sera. Un de mes produits préférés chez Ongle 24, les gummy bases. Qu'est-ce que c'est les gummy bases? En fait ce sont des bases de vernis semi-permanent ou de gel, mais ce sont des bases assez épaisses. Ce sont des bases à viscosité épaisse avec lesquelles vous savez faire un petit bombé si vous travaillez en semi-permanent sur ongles naturels. C'est ce que je fais tout le temps. C'est des bases qui font un peu tout, donc elles font base gel et semi-permanent, semi-permanent renforcé, donc on peut faire un petit gainage. Et en plus, vous pouvez aussi les utiliser en couleur, juste après une pose de gel ou en pose semi. Alors ici j'ai trois teintes, j'ai la cover beige, j'ai la clear, donc la transparente, et j'ai la cover pink. Je vous montrerai de plus près la viscosité et les couleurs, mais franchement elles sont top. Moi souvent pour le baby boomer en base j'utilise une des deux, donc la cover pink ou la cover beige. Et la gummy base clear, donc transparente, je l'utilise pour coller mes capsules américaines. Un petit favori que je viens de découvrir il y a vraiment pas longtemps, mais duquel je pourrais plus me passer, c'est le Easy Soak Off Gel Remover de chez Ongle 24. Donc c'est en fait tout simplement de l'acétone avec lequel je vais dissoudre mes capsules américaines. Vous le savez peut-être, mais quand on fait une retouche sur une pose américaine, il faut tout enlever et puis tout refaire. Et du coup je dilue les capsules américaines avec cet acétone là. Et pareil, la base que j'ai mis en dessous, donc la gummy base clear, elle se dissout aussi avec cet acétone. Je dis cet acétone, mais en fait vous pouvez prendre l'acétone que vous voulez. Mais du coup moi je le commande sur Ongle 24. Et je pense que pour le grand flacon j'ai peut-être payé 8 ou 9 euros. C'est un flacon de 570 ml. Mais du coup voilà, moi je l'achète sur Ongle 24. Je l'ai essayé sur clientèle et il est top. Et un dernier petit favori dont je vous parle souvent sur Instagram, c'est le Bronze Foil. C'est un VSP en fait avec des petits foils à l'intérieur, donc il y en a de plusieurs couleurs, ici j'ai le doré. Et en fait ça évite de se casser la tête avec des foils, c'est des mini foils qui sont dans un VSP. Je l'ai déjà utilisé sur plusieurs de mes clientes et j'avais fait une pose semi sur une de mes clientes, je vous mets la photo juste ici avec ça, c'était super beau. Donc ça franchement pareil, si j'ai l'occasion de prendre d'autres couleurs je les prendrai parce que franchement il est trop trop beau. Du coup voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur mes favoris, mes indispensables de la marque Ongle 24. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas vous à me dire s'il y a des produits que vous aimez chez Ongle 24 ou d'autres que vous n'aimez pas du tout. Mais si vous voulez mon avis global sur Ongle 24, je trouve que c'est un site très très bien où vous trouvez vraiment tout ce que vous avez besoin pour vraiment pas cher. Donc si vous débutez ou tout simplement vous n'avez pas envie de mettre 100 000 euros dans un gel, ce que je peux tout à fait comprendre, Ongle 24 c'est top. J'ai pas parlé des VSP dans cette vidéo, donc des couleurs, parce que tout simplement c'est pas mes préférés chez Ongle 24. Je les aime bien mais c'est pas mes préférés. Mais il y a des très très jolies couleurs, je pense notamment à Milano Red, à Racing Red que j'aime beaucoup aussi, à Nude Vermont. Il y en a quelques-unes que j'aime bien mais c'est pas mes VSP préférés, donc je les mets pas dans ma vidéo indispensable. Mais du coup toutes les choses que vous avez vues dans cette vidéo, c'est des choses que je rachèterai à coup sûr quand ce sera fini. C'est des choses que je rachète tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est tout simplement mes favoris. Et du coup moi je vous laisse, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.